La cherté du coût de la location constitue la plus grande difficulté des ménages à Dakar, un casse-tête également pour l'État du Sénégal. Félix Mboupe, président de l'Association libre des locataires du Sénégal, affiche ses attentes avec l'arrivée de Bassirou Diomaye à la tête du pays. Ce que nous pensons euh, du nouveau président de la République, c'est qu'il soit très ferme et très rigoureux euh, avec la loi sur le loyer, parce que la loi existe. Donc, l'architecture juridique est là, l'arsenal juridique est là. Donc, il va falloir que le président fasse preuve de fermeté, de rigueur et pour faire appliquer la loi. Parce que déjà, cette loi, bien avant la loi sur la réduction du loyer, bien avant le décret sur le loyer sous le, mag sous le magistère de Macky Sall, il y avait une loi qui est là, qui organise le loyer, la location. Donc, cette loi, aujourd'hui, il faut que qu'elle soit appliquée à la lettre. Il faut que les gens respectent cette loi. Pour que donc, les, euh, les locataires puissent être euh, euh, vraiment soulagés. Monsieur Mboub montre au nouveau président Bassirou Diomay la voie à suivre pour réussir sa mission. Le président de la République, soit, euh, comment dirais-je, fasse appliquer la loi. Donc, vous savez, toutes les questions auxquelles nous faisons face, c'est des questions qui ont été prévues par la loi. C'est des questions sur lesquelles la loi s'est prononcée. Maintenant, si on applique la loi, on n'aura pas de problème. Il suffit d'appliquer la loi autour du loyer avec le dernier décret et tout cela pour que donc, les locataires puissent être soulagés. Qu'on donne les moyens à la Conarelle, la Commission nationale de régulation du loyer, parce que qui est une coquille vide, les fonds qui étaient prévus pour le fonctionnement de la Conarelle n'ont pas été dégagés, il n'y a pas de local et il n'y a pas donc ce, ce travail que la Conarelle, parce que après concertation. Euh, les gens se sont rendus compte qu'il faut une commission nationale de régulation du loyer qui s'occupe donc de ça où il y a des spécialistes, par exemple des juristes, euh, des consuméristes. La cherté de la vie et le prix élevé du loyer sont entre autres attentes prioritaires des Sénégalais envers le président Bassirou Diomaye Pour réussir là où son prédécesseur semble échouer sur la question, le président de l'association des locataires libres du Sénégal lui demande de faire preuve de fermeté et de rigueur.